Salut tout le monde, c'est Tout en Force, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc ça sera un vlog que je vais prendre de grave plaisir à vous présenter. Ça sera le vlog de PSG Chelsea, donc là moi je me dirige vers le lycée, il est 10h30. Et puis on se retrouvera tout à l'heure quand j'irai avec mon père, j'essaierai de vous le présenter, etc. dans la vidéo. Voilà, franchement j'espère que ce vlog vous plaira. Je vais demander à tout le monde sur Snap qui s'affiche en bas à gauche de votre écran si ça vous plairait que je fasse ça. Et c'est vrai que vous êtes nombreux à vouloir voir les coulisses de ce match, parce que c'est vrai que je serai a priori au bord du terrain, je serai 9 rangs juste au-dessus du stade. Donc je pense que ça va être un beau match. Je serai là où les joueurs ils s'entraînent en plus de ça. Donc voilà. Il y aura tout ce qu'il faut pour pouvoir passer un bon moment. Donc je vous dis à tout à l'heure les potes. Bon, ton pronostic PSG Chelsea, ça dit quoi? 2-1 pour Paris. 2-1 pour Paris? Bon, ok, ça marche. Bon les gars, là je suis en direct des cours. Je suis en écologie, t'as vu? Et puis ah oui, économie, pardon. Tu vois, je sais même pas où je suis en quoi. Bref. À tout à l'heure les potos. Bon Rémi, ton pronostic, la PSG Chelsea, ça dit quoi? 2-0. Pour Paris. Et t'as Dimka? 2-0. Pour qui? Chelsea. Paris. Ok, ça marche. Vas-y, place-y bien. Viens nous dire. 3-1 pour Chelsea. Chelsea. Vas-y. Je suis chaud là. Et bien. Léo, ton pronostic PSG Chelsea? PSG Chelsea, je sais pas parler, 3-0. Okay. 3-0. Ok, et Antoine? On dirait un petit 2-1 avec un doublé de Zlatane. Ok, ça va. Victoire de Paris, c'est au parc, mais au retour il y aura match nul. Okay. Vas-y Arthur, donne-moi ton pronostic là, PSG Chelsea. Moi je pense 2-1 pour Chelsea, bon. 2-1 pour Chelsea. Paris, nique. Maxi best-of, Nuggets par 9, Potatoes Coca. Vous compris? Tu rajoutes un double cheese. We'll be right back.
Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around. Regardez bien quand je filme sur la gauche parce que c'est là où il y a les supporters de Chelsea, donc ils étaient en train de nous insulter, on s'insultait, enfin voilà, c'était de bonne guerre, donc n'hésitez pas à bien regarder à chaque fois que je tourne l'écran vers la gauche, les supporters de Chelsea. C'est la composition des équipes, les amis, donc je vous invite à baisser le son de votre téléphone ou de votre ordinateur ou n'importe quelle plateforme vous êtes en train de regarder la vidéo. Voilà, baissez le son parce que c'est la composition des équipes, c'est très important pour pas vous ruiner les oreilles parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de bruit, donc voilà. Alors tous ensemble pour la composition du Paris. Thiago Silva!
Là, sur ce plan, ça va être le but de Zlatan. Je suis absolument désolé. C'est le coup franc qu'il a mis. Je l'ai de mauvaise qualité. C'est tout ce que j'ai pu faire. Mais c'est vrai que ça bougeait beaucoup à ce moment-là. Donc voilà, j'ai fait de mon mieux. Yeah.
bien voilà les amis, le vlog est à présent terminé. Le PSG s'est imposé sur un score de 2-1. C'était un match, comme on l'avait annoncé, très prestigieux, avec deux équipes qui ont des grandes ambitions, en tout cas pour cette Ligue des Champions. Je vous dis à très vite, les réseaux sociaux s'affichent sur votre écran, et faites-moi part dans les commentaires de ce que vous avez ressenti par rapport à cette rencontre, et surtout si le vlog vous a plu pour pouvoir adapter cet aspect de vlog lors des prochaines vidéos. Je vous dis à très vite, c'était Toto. Vas-y, let's go. Vas-y, fais vite. Il faut faire. Bon, stop. Tu la bouffes celle-là. Tu la bouffes. Je t'arrête. Putain, ta mère, c'est génial.